Merci de nous écouter. Les recherches se sont poursuivies ce dimanche dans les eaux du fleuve Kenke, dans la région du sud de la ville de Kribi précisément. Recherche pour retrouver les restes de la petite Simo, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Kribi, dans le chef-lieu du département de l'Océan, dans le sud. Elle s'est donné la mort en se jetant dans ce cours d'eau. Vous le voyez en image. Les faits sont survenus hier samedi, soit quelques jours après la publication des résultats du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, cet examen auquel cette candidate de 16 ans a échoué pour cette session 2021. Un échec qu'elle n'a pas digéré en se donnant la mort par suicide. Donc, son corps reste introuvable jusqu'à ce soir. C'est un accident de la circulation qui rappelle la vétusté des infrastructures routières, notamment pour ce qui est des voies secondaires à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Un camion a chuté cette semaine au lieu dit Pont Boulevard Évêché, dans le chef-lieu de la région, avec au bilan d'importants dégâts matériels. Les précisions de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Renversé littéralement tout près d'un ravin, ce camion est l'une des victimes du mauvais état de la route. Au lieu du pont boulevard Évêché à Bafoussam 1er, sur l'axe Carrefour Le Maire Camille Toyota. Le chauffeur, en roulant, il voulait monter la pente, puisqu'il ne pouvait pas monter celle qui est de l'autre côté là. C'est très long pour lui. Il a voulu monter celle-ci là. En arrivant maintenant, il est entré dans un trou. Et maintenant, dès qu'il est entré dans un trou, maintenant la roue a commencé à patiner. Il s'est retrouvé à terre. Le camion à pencher, c'est au droit. On est arrivé ici maintenant, comme il y avait le pluie comme ça, là, les mauvaises places comme ça, là. Le camion a rentré là-bas, ça a tombé. Pourtant, en empruntant cet axe, le chauffeur qui conduisait sa cargaison de planches au quartier à Oussa espérait gagner en temps en évitant les embouteillages du centre-ville. Et compte tenu aussi du fait que cette route n'est pas encombrée, vous voyez passer par la ville avec les embouteillages en plein jour, c'est pas évident. Raison pour laquelle le chauffeur a sollicité passer par ici. Vite arrivé, quoi. Plus de peur que de mal, le chauffeur et son assistant ont pu s'en sortir juste avec des égratignures. Le chauffeur et le motobus sont sortis sans problème, mais il n'y a pas eu de blessés, à part la voiture qui est en mauvais état. Mais cette portion de la route, affaissée depuis 3 ans et abandonnée par les autorités, demeure un réel danger pour les usagers. Voir les potentialités des 4 aires culturelles du Cameroun, une piste pour faire reculer le tribalisme dans un contexte marqué par la montée du repli identitaire au Cameroun. C'est la proposition des acteurs culturels réunis dans le cadre d'une compagnie à l'Ouest où ils bénéficient du soutien de l'Institut français du Cameroun. Précision, Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Danser va au-delà d'un loisir ou d'un divertissement pour cet échassier. Ici, dans la salle Manu Dibango de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, ils sonnent le tocsin sur un fléau qui devient au fil des jours plus préoccupant au Cameroun. Régulièrement soupçonnés de tirer les ficelles dans l'ombre, les hommes politiques sont priés à ne point faire de leur boulimie obsessionnelle du pouvoir une menace à la cohésion nationale. Homme politique, grand homme de pouvoir, réglé politique, oui, mais sans effusion de sang, de grâce, sans effusion de sang. Cette alerte a été donnée en marche à la conférence de presse organisée par la compagnie Dieuzil à l'effet de restituer un atelier de fabrication des marionnettes géantes représentant les 4 aires culturelles du Cameroun, auquel elle a pris part à Yaoundé. Nous avons appris le moulage, par exemple, vous voyez, prototype de hachou. C'est à partir d'ici qu'on a créé la grande marionnette. Donc ici, je peux dire ici à 50% que je peux reproduire ceci, pour ne pas dire à 100%. Le chef de cette compagnie d'art contemporain basée à Tchang ne cache pas son désir de partager son expérience avec les autres artistes de la région de l'Ouest. Ce que j'ai envie présentement, c'est d'amener ces artistes-là, les sculpteurs, les percussionnistes, les danseurs, les chanteurs, les metteurs en scène ici, comme Ousmane Sali, pour pouvoir susciter du professionnalisme dans le travail des autres artistes d'ici. L'Alliance franco-camerounaise de Tchang se dit prête à poursuivre son soutien à cette compagnie qui lui fait honneur. Il y a cette relation
entre la Compagnie des îles et l'Institut français du Cameroun, cette relation entre l'Institut français du Cameroun et l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, vous comprendrez que le cercle est quasi vicié et vicieux et nous sommes appelés à travailler ensemble. La Compagnie des îles, avec ses membres qui ont fait partie intégrante de cet atelier de fabrication de marionnettes, a représenté toute une région, la région de l'Ouest, avec la marionnette à chaud. Créée il y a quelques années, la Compagnie des îles ambitionne de devenir la vitrine de la culture camerounaise. Le modèle chinois peut-il inspirer le Cameroun dans ce combat contre le tribalisme? À l'occasion du 100e anniversaire du Parti communiste chinois, l'ambassadeur de Chine au Cameroun a échangé avec les responsables de l'IRIC, l'Institut des Relations internationales du Cameroun, dont les responsables évaluent par ailleurs les 50 ans de coopération entre le Cameroun et la Chine. Précision, Emmanuel Job et Ike Cyril. Comme le Cameroun, la Chine est caractérisée par une diversité ethnique qui rend complexe la mise en œuvre des politiques publiques en vue de booster son développement. En 100 ans d'existence, le Parti communiste chinois a dû braver nombre d'épreuves afin que l'empire du milieu quitte le statut de pays sous-développé pour celui de superpuissance économique mondiale. Ce parti a fait beaucoup de travail pour surmonter les difficultés et les épreuves, pour unifier et diriger le peuple chinois de différentes ethnie nationale pour établir une nouvelle Chine, pour faire progresser l'économie, faire des efforts pour améliorer le niveau de vie de la population, d'éliminer la pauvreté absolue et de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale et puis de promouvoir la coopération internationale avec les autres pays. Parlant de coopération, elle existe entre la Chine et le Cameroun depuis 50 ans. La mention à l'heure actuelle est honorable, mais la Chine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons aussi fait un bilan sur cette coopération. Nous sommes déterminés à continuer de travailler de concert avec nos amis, nos partenaires camerounais, pour renforcer davantage cette coopération dans tous les aspects. Plus concrètement, la Chine va accroître ses investissements dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l'économie entre autres. L'ambassadeur de Chine au Cameroun l'annonce à la faveur de la célébration du centenaire du Parti communiste chinois à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC, à Yaoundé. Ils sont près de 3000 les déplacés de la crise anglophone dans les régions de l'Ouest, pour la plupart confrontés aux difficultés d'accès aux ressources de base, mais également aux difficultés de relance sur le plan socio-économique. La société civile interpelle les pouvoirs publics pour faciliter l'accès à la terre. Précision, Leclerc Sakem. Les années passent, les souffrances s'accumulent pour des milliers de Camerounais déplacés suite aux affres de la crise anglophone. Un tableau sombre des misères que dressent ces déplacés dans la région de l'Ouest. Nous, on a fui la guerre pour venir ici. Là. On est ici, là, on souffre. On ne sait même pas comment on va faire avant d'envoyer les enfants à l'école. Les temps sont durs. Nous sommes marchés. Nous, on n'arrive même pas à vendre même 2000 par jour. On fuit la guerre, on vient ici. Là. C'est trop dur. Même les enfants à la maison, les enfants ne mangent même pas. Et encore l'autre, j'ai fait des souffles comme ça là. Les enfants ils mangent et chercher l'argent que j'avais même pour la nourriture qu'on mange. Je ne les vois même pas. Après maintenant, je viens au marché. Je dis que je fais tout et aussi, je coupe tout et aussi. Mais les gens, le commune maintenant, les gens, le commune paient. Le Jacques, le commune dit que un mois, c'est 2000. J'ai cherché les 2000 là, je ne les vois même pas. Au-delà de la difficulté alimentaire, le problème des logements est une équation difficile, complexe pour ces derniers, et la question des terres cultivables pouvant être exploitées est une réelle préoccupation. Nous avons au niveau des sous-préfectures des recommandations faites aux chefs des chefs d'établissement public, primaire, secondaire, pour exonérer les déplacés internes de certains frais en dehors des frais de scolarité. Nous avons beaucoup de sensibilisation par rapport aux chefs de quartier pour revoir les tarifs et les taux des loyers à la baisse pour les déplacés internes.
Beaucoup n'ont pas d'acte de naissance et certaines facilités leur sont accordées par rapport à cela parce que dans la précipitation, ils n'ont pas pris pour prendre les documents. Et bien, pour les locations des terrains et autres, on a appris ici que beaucoup de propriétaires terriens mettent à disposition des terres à cultiver pour se déplacer internes. Et généralement, le fruit de la récolte constitue le paiement de location de cette terre qui se partage avec le propriétaire. Engagé depuis quelques mois aux côtés de ces nécessiteux, notamment dans les communes de Bafoussam 1er, 2e et 3e, l'ONG Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun continue d'œuvrer au travers du projet d'IPAT en vue d'assurer un minimum d'épanouissement à ces déplacés. Beaucoup sont disposés et disponibles pour les aider, mais déjà qu'ils se fassent identifier. Heureusement pour nous, la campagne de sensibilisation que nous avons faite, nous avons touché 3000 déplacés internes. Donc au moins sur ce postulat, nous allons mettre à la disposition des autorités ce canevas qui puisse travailler avec et de temps en temps à recourir à ces déplacés internes qui sont vraiment indigents. Des efforts consentis qui nécessitent davantage l'implication des uns et des autres pour une réelle intégration de cette couche vulnérable en espérant une fin prochaine des conflits et un retour à la normale de la situation sécuritaire dans leur région d'origine. La crise anglophone, un conflit qui a certainement un impact sur l'enregistrement des naissances au Cameroun. Le Bureau national d'état civil est préoccupé par le faible taux de déclaration des actes d'état civil. Cette organisation vient de se concerter à Yaoundé avec la société civile qui est appelée à jouer un rôle capital dans ce contexte. Précision à Yaoundé, Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. L'enregistrement des actes d'état civil demeure faible au Cameroun et aucune région n'est épargnée, bien que la situation soit plus préoccupante dans certaines localités. Malgré les campagnes de sensibilisation menées aussi bien par le BUNEC que la société civile et les partenaires au développement, peu de personnes se bousculent pour se faire établir un acte de naissance, de décès ou de mariage. Un faible engouement qui préoccupe le réseau des journalistes et responsables de la communication des collectivités territoriales décentralisées pour la promotion de l'état civil, de la décentralisation et du développement local. Un enfant sans acte de naissance est un enfant sans avenir. Nous devons tout faire pour sensibiliser davantage les populations sur la gratuité et l'importance de l'état civil au Cameroun ainsi que de la déclaration de naissance. Voilà qui donne sens à cet échange entre la délégation du Régiodel, conduite par son président, et le directeur général du Bureau national de l'état civil, qu'accompagnaient ses proches collaborateurs. Il est question pour les deux entités d'unir leurs forces et de travailler main dans la main pour améliorer le taux d'enregistrement des faits d'état civil. Je suis favorable à ce que soit établie une plateforme, soit un partenariat entre le BUNEC et le Régiodel, un partenaire de plus que nous allons avoir à l'état civil. J'ai, au cours de la chaîne de travail que j'ai eue avec le Régiodel, rappelé quelles sont les missions du BUNEC, quels sont les défis du BUNEC, quels sont ses challenges. Eh bien, je pense qu'ils seront à la hauteur, n'est-ce pas, de leur mission. Le Régiodel entend surtout mettre l'accent sur la gratuité de certains actes d'état civil. Certains agents véreux en ont malheureusement fait leur vache à lait. Selon l'article 17 de l'ordonnance du 19 juin 1981 relative à l'état civil, l'inscription d'un acte sur un registre d'état civil est gratuite. Nous voudrions bien que cette gratuité soit appliquée à la lettre. Nous ne voudrions plus que la population camerounaise soit arnaquée, soit abusée par les officiers d'état civil, par les agents des services d'état civil des différentes communes. Nous irons dans les marchés, dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises, afin de sensibiliser davantage les populations pour qu'elles sachent que l'état civil au Cameroun est gratuit, surtout lorsqu'on est dans les délais. À date, le Cameroun compte 374 centres d'état civil principaux et 2400 centres d'état civil secondaires. Leur insuffisance, ajoutée à certaines pesanteurs sociales et culturelles, ainsi que la pauvreté, l'ignorance et la négligence, ne facilitent pas l'enregistrement des faits d'état civil dans notre pays. À présent, parlons de ces arnaqueurs qui viennent d'être interceptés par des éléments de la gendarmerie à Douala. Ils se sont fait passer pour des instructeurs lors de l'examen du permis de conduire pour ce qui est de la phase pratique. Les responsables sécuritaires doivent les présenter devant la justice. Précision, Innocent Abega et Roméo Ngoula. 10:63, 11:37. Ils sont trois présumés arnaqueurs pris la main dans le sac au cours d'une opération menée par la brigade de recherche de Douala 2 au stade Kamraï.
Ces derniers se sont infiltrés dans l'équipe des moniteurs pour collecter de l'argent auprès de certains candidats, promettant une délivrance des permis sans passer par les épreuves pratiques. Je suis ici pour nous passer un examen de permis de conduire catégorie A. Dès que nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui s'est présenté comme membre du jury. Il nous a demandé une somme de 2 000 francs de rentrée qu'il devait nous noter. Et après ça, certains des membres du jury l'ont pris sur le site. Ensuite, la gendarmerie est arrivée, on l'a amené. L'opération va se dérouler de fil en aiguille lorsque les moniteurs vont remarquer la présence des personnes non identifiées sur le site de passage de l'examen. Alerté, le délégué départemental de transport pour le Vouri va d'aussitôt effectuer une descente sur les lieux. Nous sommes sur ce site ce matin pour passer les pratiques de l'examen spécial permis catégorie A. Malheureusement, nous avions trouvé, comme d'habitude, des arnaqueurs qui passent pour les membres du jury, prétendant aider les candidats sans faire la pratique. Ce n'est pas la première fois que les éléments de la brigade de recherche de Douala 2 mettent leur grappin sur des présumés arnaqueurs au cours d'un examen de passage de permis de conduire. Le phénomène gagne de plus en plus de terrain dans la ville de Douala. À présent, la police qui vient d'intercepter une quantité importante de carburant frélaté à Douala, ses produits issus de la contrebande étaient partis de la région du sud-ouest pour alimenter le marché clandestin dans la capitale économique. Cette cargaison a été interceptée avec la collaboration des populations qui sont appelées à renforcer l'assistance aux forces de sécurité. Précision, Innocent Abega, Urich Ngono. Fin de course pour ces véhicules stoppés net au quartier Bekoko par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. À l'intérieur de cette voiture, un réservoir d'environ 50 litres fait office de siège pour passagers. Cette voiture, c'est un véhicule de transport, comme vous voyez, qui transporte des passagers quittant de Limbé pour Douala 10 places. C'est des véhicules que, naturellement, quand ça passe dans nos checkpoints, le contrôle mix, police, gendarme, on contrôle les passagers, on vérifie les bagages. Mais toutefois, sans savoir que les sièges du véhicule sont transformés en réservoir de carburant. Comme un robinet, du carburant frélaté coule de ce réservoir par l'entremise de ce tuyau flexible. Malheureusement, le chauffeur de ces véhicules n'a pas été appréhendé, puisqu'ayant pris la pougue d'escampette au moment de l'intervention. Ce ne sera pas le cas pour le conducteur de cet autre véhicule, qui aussi transportait 9 bidons de 40 litres de carburant contrefait. Interpellé au lieu dit borne 10 dans le 3e arrondissement de Douala. Faisant suite aux nombreuses récriminations des populations relatives à la prolifération des produits pétroliers frélatés en circulation dans la ville, mieux encore par le stockage de ces produits hautement inflammables dans des maisons d'habitation, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral informé nous a prescrit une action immédiate, une action rapide, une action en force pour éradiquer ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre cité. Ces opérations ont continué. À Bomono, nous sommes tombés sur un entrepôt. Et dans cet entrepôt, tenez-vous bien, nous avons saisi 27 fûts de carburant frélaté. La contenance d'un fût va chercher dans les 300 litres. Ce carburant saisi a été mis à la disposition de la délégation régionale des mines pour expertise. Sur haute instruction du délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, qui fait de la lutte contre la prolifération des produits pétroliers son champ de bataille. Voilà qui met un terme à cette première partie du journal en langue française. La deuxième est en langue anglaise avec Innocent Nazer. Innocent Nazer, good evening once more. Merci de Nabris, comme une fois de plus, bonsoir à vous. And to our viewers, good evening once again, thanks for staying with us. A 16-year-old girl called Simo, who sat in for the BEPC examination of the French subsystem,
of Education has committed suicide by throwing herself into the River Kinki in Kribi, Ocean Division of the South Region of Cameroon on Saturday after failing the set examination following publication of its results. Search of her corpse continues. She was a student of Government Balingua High School, Kribi, and locals say she threw herself into the river. As you can watch in the images, search operations have been ongoing since Saturday to Sunday. Nothing has been said concerning whether her corpse or mortal remains have been retrieved from the River Kinki or not. We shall be keeping you updated in as much as that information is concerned. Here in the economic capital Douala, it is a group of three individuals that has been dismantled by elements of the gendarmerie brigades. They are known to be extorting fabulous sums of money from Cameroonians in the name of organizing a practical session of the Category A driver's license examination at the Kamwal Stadium. They will be presented to the public. Details with Charles Ekome. 10:63, 11:37. A group of alleged fraudsters reportedly impersonated members of the jury and went forth by extorting money from examination candidates during the practical session of the Category A driver's license examination, which took place at the Kamrai Stadium in the Douala 1 subdivision. I came to do the practical session of my examination, and when I arrived here, there was a man who presented himself as a member of the jury and asked me to pay the sum of 2,000 francs CFA, so he grades me. Informed about the situation, the Wuri Divisional Delegate of Transport descended on the scene. Malheureusement, nous avions trouvé, comme d'habitude, des arnaqueurs. It is rather unfortunate that we found imposters who were impersonating the members of the jury and collecting money from them. When we were informed, we put a commission to control the situation and we fished out the imposters. They are currently in police custody. Actuellement, ils sont entre les mains de la gendarmerie. With the fraudsters behind bars awaiting justice to take its course, the delegate has called on the population to be vigilant by always calling on competent authorities to report such cases. We take you to the Douala 4 subdivision, notably in Petit Bonanjo. It is a locality there that is now stinking as a result of the poor waste management by the officials of the slaughterhouse in that locality. The locals are now complaining of several issues. They are facing health challenges as a result of that insanity state of the slaughterhouse. Details in this report with Mala Glory. The pungent odor which has engulfed the Petit Bonanjo neighborhood in Bonaberry in the Douala 4 subdivision is unbearable. Locals say this disheartening phenomenon is as a result of poor sanitary conditions of the lone slaughterhouse in the locality. They decry the infestation of mosquitoes and diseases caused by this situation. Almost 10 years ago that we have been facing this problem, we have run up and down. We have gone to abattoir. We have made a lot of complaints. Even we went right to the mayor, to the council, to see this problem can be solved, but the problem remains the same. We have cried day and night, and it causes us a lot of sickness around. You have mosquitoes around, you have pains, no talk of rashes, no talk of typhoid and malaria. It's too much around this area because of the odor that comes out of the water. And the water, if you look now, you see it is really blood. It's totally blood coming out from abattoir. The chief of block at Petit Bonanjo, Azum Kofi Samuel, says the competent authorities don't seem to be paying attention to their conditions after several complaints. I don't write for you. I don't write
I have written a letter to the divisional officer of Douala 4 as well as council authorities, but none of these administrative authorities have replied any of my letters. The person I was hoping will come to our aid was the mayor, but he has said nothing on the issue. We are pleading with the government to look into our situation. So if government fit try miss way, if he try fix without gutter for abattoir, for say population be survive. At the moment, the locality of Petit Bonanjo still continues to be plagued by diseases and pungent smells. All they ask of is that the competent authorities look into their situation. It was a sad weekend in Kumba, Meme Division of the southwest region of the country, following the burial of the physics teacher Fu Max Ndang, who was killed recently by unknown gunmen. He was laid to rest at the time when the populations are calling for end of violence in the two English-speaking regions of the country, or equally cessation of fire. Details with Simanju Kangeber. The weekend was a sad one for teachers and Christians in Kumba, Meme Division of the Southwest Region. Christians of the Presbyterian Church laid to rest Reverend Dr. Nso Lawrence Tango, who before his death was the Assistant Vice Secretary of Protestant Education in Cameroon. It's like a disaster. The temple of the family is broken. We are praying God that he should provide another temple, because our family lives on the principle of intercession, interceding for our problems and interceding for others, for friends and relatives. Dr. Lawrence Tango, so an icon, the pillar of what education really stands for. He gave his life to give an orientation to many Cameroonians. And in the latter years of his life, he had another orientation in helping bring up ministers of the church. Before his burial, a funeral service took place at the Presbyterian Church, Kumba Town, and the late Reverend Dr. Nso Lawrence received academic honors at the Presbyterian Theological Seminary in Kumba. It is this weekend that the body of the physics teacher who was killed at his residence behind Government Balingual High School station will be buried. Late Fu Max Ndang was coffined at the Kumba District Hospital mortuary on Friday in the presence of mourners, amongst them teachers. Oh. Fu Max Ndang, a physics teacher at Government Balingual High School, Kumba, was killed by unknown gunmen at his residence Thursday, July 1, 2021, minutes after he returned from invigilating the GCE examination. As he will be buried, his killers are still to be known, even though authorities in Kumba say they are investigating to track down his killers. Earlier in the week, the Muslim community of Aoze Quarters in Fiango, Kumba 2 subdivision, also buried their chief, Adamu Muhammadu Uba, who died after a protracted illness. The burial of the regional councillor was done in the presence of the senior divisional officer of Meme, Ntundong Chamberlain. I will talk about hundreds of Cameroonians who protested outside a hotel in Switzerland, and most of them were dispersed with tear gas. They are known to be a threat to the peace of the head of state's Paul Biya's wife, Chantal Biya. Immaculate Fogwe gives us a run-up of what happened at the hotel in Switzerland. One of the anti-Biya protesters attempting to force his way into the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland. He is later asked to step down by security elements. While this man is here with some few, many other Cameroonians are in front of the Continental Hotel in Geneva, where President Paul Biya and First Lady are on a private stay. They are protesting against President Paul Biya's reign. Members of the activist group Brigade Anti-Sadina are urging the president to go back to his home country
and bring an end to the over 4-year armed conflict in the northwest and southwest regions. They are equally decrying what they qualify as a corrupt government. The protesters are later dispersed by the Swiss police with tear gas and water cannons. That's it for this 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Donna Brice, come on. Bonne fin de semaine à vous, Innocent Azé, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Merci d'avoir suivi cette édition d'information sur Equinox Television. Bonne fin de semaine à tous. Equinox Télévision.